Les militants et militantes de l'Union démocratique et citoyenne, UDC, sont plus que jamais déterminés pour les prochaines échéances électorales. Cet engagement, ils l'ont exprimé face à leur leader, Melek Théodore. Saisissant la perche de la présentation des vœux de nouvel an, le président de l'UDC a dépeint l'action de l'opposition en Côte d'Ivoire. Jamais l'opposition ne s'est organisée pour examiner avec pertinence les leçons à tirer de la crise post-électorale, ainsi que la réponse appropriée en termes de cohésion nationale. Une mention toutefois a été faite au gouvernement pour ses efforts de moralisation de la vie publique. Je voudrais donc saisir cette occasion pour en remercier le chef de l'État pour sa grande sollicitude. Le gouvernement est en passe de réussir son pari économique. À ce titre, la création de la haute autorité à la bonne gouvernance, conduite par un magistrat reconnu de haute probité, constitue à nos yeux une initiative révélatrice d'une volonté d'assainissement et de moralisation de la vie publique. Fondée sur le triptyque Dieu, Nation, Citoyen, l'Union démocratique et citoyenne est un parti libéral attaché aux valeurs de la citoyenneté et de la démocratie.